Afrique de l'Ouest, aux confins du Bénin, du Burkina Faso et du Niger, s'étend sur plus de 10 000 km² le parc régional transfrontalier du W. D'une richesse en espèces sauvages unique en Afrique de l'Ouest, la zone du W est également le dernier bastion d'une diversité biologique représentative de la savane, telle qu'elle existait il y a encore une centaine d'années. C'est aussi un lieu où s'expriment clairement les ambiguïtés du concept de conservation de la biodiversité. Conserver des espaces et des espèces animales emblématiques telles que l'éléphant, le buffle ou la girafe n'est pas une mince affaire quand des centaines de milliers d'hommes et de femmes se pressent aux portes des périphéries. Une solution reste possible, impliquer les populations locales dans leur gestion. Donc aussi bien au Bénin qu'au Niger et au Burkina Faso, le parc W a le même acte de naissance. Donc ce qui veut dire que la régionalité est déjà acquise depuis la naissance du parc. Et ces trois pays ont mis plus de 15 ans, et 15 ans d'échanges, 15 ans de discussions pour pouvoir arriver à la réunion de la Kopienga. Et à cette réunion, les trois pays ont réaffirmé leur engagement à gérer de façon concertée le parc. Cet accord n'a pas suffi. Il a fallu la déclaration de la Tapoa en l'an 2000 pour que les trois États, suite à une déclaration, réaffirment leur engagement et fassent un chronogramme d'activité et demander à l'Union européenne qui a déjà accepté de financer ce programme, le démarrage des activités en 2001. En décidant de se mettre ensemble pour créer cette aire protégée, les États manifestent une forte volonté politique pour la conservation de la biodiversité de l'environnement. La conservation doit se faire dans un esprit constructif et soucieux du développement durable dans ce complexe qui doit profiter et bénéficier aux populations et locale riveraine. La création du parc en 1954 ne s'est cependant pas faite sans heurts, et les populations des quelques villages déguerpis à cette époque ont encore gardé en mémoire cet épisode de leur histoire. L'histoire du parc est vieille. Moi-même, je suis né dans le parc. J'ai connu mes grands-papas et mes grands-parents dans le parc. Mais il faut dire qu'en réalité, les gens qui sont sortis du parc n'étaient pas. Bon, ne comprenaient pas grand-chose. Et pour eux, c'était la force. C'est le pouvoir blanc qui l'a fait. Femme ta mère, on est là.
Et donc, après, quand on était dans le parc, il n'y avait pas de faim, il n'y avait pas de famine, et il n'y avait pas de pauvreté. Et tout se passait bien pour nous. On vivait en symbiose. Jusqu'au jour où M. Bois, c'est le colon de son temps, est venu informer au chef de famille. Mais le problème qui s'est passé, quand M. Bois est venu nous demander de déguerpir la zone, au début, on n'était pas pour le déguerpissement. M. Bois leur a donné un délai de quitter, et sinon, lui, il finira par changer d'avis. Et ils ont refusé jusqu'au jour où on est venu les surprendre en les déguerpissant par force. C'est là on les a pillés, brûlés leurs cases. Et c'est à ce moment ils sont venus s'installer dans la zone de chasse actuelle. Avant d'être encore chassés dans cette zone de chasse pour arriver ici. La vie n'est plus comme c'était en son temps. Ils sont exposés à beaucoup de souffrances. Ils ont un problème d'eau. Il y a que bien porte là. Le manque de terre culturelle. L'embego. Les grands arbres là-bas, là. C'est la limite déjà de le village comme ça. Puisque après ça, c'est la zone de chasse. Même leur poule n'a pas le droit de rentrer là. Donc vous voyez déjà comment ils sont contraints. Et ils ne pouvaient pas cultiver après ça. Majesté, est-ce qu'en dépit de la création de ce parc, vos populations ont conservé des relations avec cette aire protégée? Majesté, il y a un an à peu près, on s'est retrouvés ensemble en Afrique du Sud, où on voit plutôt des aires protégées clôturées avec des fils de fer barbelés. Et puis des populations locales qui n'ont même plus le droit de rentrer dans ces parcs. Hein, il n'y a plus que les blancs, les touristes et les appareils photo qui rentrent, mais les populations locales sont exclues. Donc ce qui nous paraît peut-être important à dire aujourd'hui, c'est qu'on se trouve maintenant dans un système différent, avec des gens qui ont établi des relations entre ce parc et la tradition quotidienne. Comme
Comme ailleurs, le temps a passé et l'idée a fait son chemin que cet exceptionnel ensemble protégé constituait un réel patrimoine et une richesse qui commence à porter ses fruits. Vivre à proximité du parc n'est peut-être pas que source de contraintes. Vivre, produire et développer des pratiques agricoles compatibles avec la conservation de la biodiversité est donc possible en périphérie du parc, moyennant quelques précautions. C'est justement ce que prévoit le statut de réserve de biosphère, MAB UNESCO. Quel a été l'impact du classement du parc W comme réserve transfrontalière de biosphère, MAB UNESCO? Moi, je pense que le classement a eu un bénéfice palpable pour la population riveraine qui l'apprécie d'ailleurs à sa juste valeur. Avant ce classement, la zone qui ceinture le parc, la zone tampon, avait le même statut de protection que l'intérieur du parc. Mais grâce à ce classement, les populations riveraines ont la possibilité d'exploiter cette zone tampon à des fins agricoles et pastorales, ce qui est une réalité sur le terrain. Mais bien sûr, avec un certain nombre de conditions, parce que vu la proximité avec le parc et l'administration de Ecopass ici sur place, et dans les cahiers de charges quand même a tenu que mention soit faite de l'inconvénient que l'utilisation des intrants ou bien des pesticides et des produits chimiques pourrait avoir à l'orée du parc. La culture du coton et son essor dans toute la sous-région est souvent au banc des accusés, dès lors qu'il s'agit de conserver et de gérer la faune sauvage. Mais sans doute là encore, y a-t-il lieu de réfléchir aux possibles aménagements techniques qui permettraient de limiter les pesticides et les polluants, mais aussi les défrichements inconsidérés. L'idée, c'est que, en fait, ces dernières années, la production cotonnière au niveau de l'Est est en train de prendre de l'ampleur. Et tout dernièrement, la zone de l'Est a été confiée à un particulier, un privé, en l'occurrence d'Agris, qui a sa société locale qui est Socoma. Donc, ils ont prévu l'installation d'une usine d'égrenage à Diapaga, ce qui veut dire qu'ils vont augmenter, en fait, une politique d'augmentation des capacités de production. La zone du parc est déjà convoitée par les populations et l'installation de l'usine qui va entraîner encore une grande production, ça pose des inquiétudes quant à la conservation des ressources du parc. Donc cette année, il y a eu un projet suisse, Helvetas, qui est arrivé et qui fait la promotion du coton biologique. Donc on s'est dit, si on arrive à introduire ce coton au niveau de la périphérie du parc, ça pourrait en même temps résoudre les problèmes de contamination et des problèmes de terre. Le coton biologique, il est sans les pesticides et les engrais de synthèse. C'est l'engrais organique et les pesticides naturels, tels que les graines de nîmes qu'on utilise pour faire les traitements. Et bon, il y a des superficies qu'on ne doit pas dépasser. Par exemple, la plus grande superficie, c'est 5 hectares. Donc ça fait déjà, il y aura et les surfaces seront réduites et les problèmes de terre vont en tout cas diminuer. Si les agriculteurs constituent l'essentiel de la population des périphéries du W, les éleveurs transhumants peules et leur bétail en constituent un élément important qui n'a pas été sans conséquence sur la vie du parc dans un passé encore proche. Ignorant les limites et les frontières, ces éleveurs posaient à la réserve un véritable problème qui est devenu crucial au fil des ans et des sécheresses récurrentes. À l'initiative des chercheurs et des agents du programme Ecopass, une réunion entre les représentants des pays riverains du complexe W s'est tenue à Cotonou en février 2004. Elle a permis d'officialiser de nouveaux couloirs de transhumance ainsi que des zones d'accueil du bétail, en particulier au Bénin. Au terme de cette réunion, la transhumance transfrontalière était officiellement reconnue, moyennant un certain nombre de dispositions réglementaires. Grâce à ce programme, nous avons pu atténuer, n'est-ce pas, ce problème
de la transhumance par la création d'un certain nombre d'enclaves pour essayer de maintenir les animaux, le flux du cheptel bovin qui traverse chaque année le complexe. Nous avons également amélioré les couloirs de passage d'antan créés depuis la colonisation. Nous avons essayé de les revivifier et afin que là également la pression du cheptel sur la biodiversité du complexe ne soit pas touchée. Comme on sait, le mouvement de la transhumance conduit les animaux des zones septentrionales vers les zones, vers la périphérie de la réserve de biosphère du W. Or, il y a la diversité biologique, la faune sauvage, et pour limiter le flux des maladies entre les buffles et les vaches, il est important, voire urgent, de vacciner les vaches contre les maladies. Donc on a ici un exemple de parc de vaccination. Ceci, c'est une disposition des réglementations convenues entre les États, avec l'appui financier des barres de fonds, notamment la communauté européenne, via le projet EcoPass. L'avènement de ce programme EcoPass a permis également d'atténuer les conflits, les conflits entre les communautés donc d'agriculteurs et les communautés d'éleveurs. Et il est arrivé très souvent donc des conflits malheureux qui sont finis souvent par des morts d'hommes. Ces conflits-là sont atténués parce que simplement les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs arrivent à se, des pêcheurs également arrivent à se concerter. La concertation, ce n'est pas seulement au niveau technique ou politique, mais également au niveau des communautés locales. Je crois que c'est un élément positif qu'il faut souligner. Si nous continuons dans ce sens, nous sommes persuadés que le problème sera définitivement résolu. Créer de nouvelles sources de revenus est une solution pour les périphéries du W. L'écotourisme est la plus avantageuse pour les bénéfices qui peuvent en être retirés. Pour ce faire, le programme EcoPass et les populations riveraines développent et entretiennent des infrastructures d'accueil à l'intérieur et en bordure du parc. Je vais vous parler des réalisations que nous avons faites. Des touristes et des chasseurs viennent au village. Ici, c'est pour qu'ils se reposent. Et là-bas, ils peuvent s'asseoir pour boire un verre. Plus loin, il y a le campement qui sera achevé l'année prochaine. C'est la population du village qui a contribué à bâtir ces infrastructures.
L'avenir du W, de sa périphérie, de ses espaces et de sa faune sauvage passe bien par une concertation étroite avec les populations riveraines. Peut-être y a-t-il un moyen terme à trouver entre la conservation de la faune, la chasse, le tourisme et pourquoi pas la culture du coton. Je crois depuis bientôt 3 ans qu'il a une nouvelle vision de la chose, une vision participative qui associe les populations riveraines en les amenant à comprendre que la conservation de la faune, c'est leur affaire et ça peut leur être bénéfique. Nous faisons le suivi écologique pour identifier les lieux des animaux qui se trouvent dans la Zovic. Dans le temps, c'est le forestier qui faisait tout ce travail. Et c'est le forestier celui qui savait ce qu'il y avait comme espèce gibier, aussi bien dans le parc que dans les zones en friche contiguës au parc. Aujourd'hui, ce sont les populations elles-mêmes qui sont chargées d'aller pratiquement sur le terrain compter et les espèces donc qu'elles rencontrent dans leur zone. Si nous demandons l'autorisation d'aller chercher des tisanes, nous l'obtenons. Si nous demandons l'autorisation d'aller chercher des plantes médicinales dans le parc, nous l'obtenons. Nous avons demandé à ce qu'on nous apprenne à fabriquer du savon, à extraire le beurre de karité. Moi, je leur demande d'assister aux réunions. Comme ça, s'il y a des décisions à prendre, nous les prenons ensemble pour l'avenir des générations futures. L'expérience des zones de chasse villageoises constitue autant d'espoir de voir se développer des activités alternatives susceptibles de talonner les revenus que procure la culture du coton et ce qu'offrait il y a quelques années encore le braconnage. Bien, en son temps, il pratiquait le braconnage dans le parc, mais il se trouvait que le service forestier s'occupait en ce moment de délimiter d'abord le parc, ce qui fait pendant son braconnage, il n'a jamais été pris par un forestier. Maintenant, de son intégration au travail du pisseur, c'est venu de lui-même. Et donc, de son propre gré, il est allé vers le service forestier et leur avouer en fait ce qu'il était en son temps et que lui, il demanderait vraiment à s'intégrer en tant que pisseur. Parce que là, il y a... Le choix même de ces pisseurs-là, il fallait s'y connaître. D'abord, il fallait avoir une maîtrise de la brousse. Il fallait réellement être un braconnier pour pouvoir maîtriser toutes les zones d'abord de la brousse. Et ensuite, pour accompagner les chasseurs, il fallait connaître les animaux qui sont tirables et les animaux qu'on ne peut pas tirer, telles les femelles. Et il fallait connaître que c'est une femelle et dire aux chasseurs de ne pas tirer la femelle, mais plutôt le mâle. Donc, il fallait réellement avoir fait le métier de chasseur. Je m'appelle Louis Auguste Awargo. Je suis forestier, le président des eaux et forêts. Et je viens par là vous présenter l'équipe de pisteurs. Les pisteurs sont là pour nous guider dans notre travail, surtout la lutte anti-braconnage, la lutte anti-parcage dans le parc. Si vous regardez, vous voyez quelques fusils que nous avons saisis lors des patrouilles. Donc, c'est un poison. Un poison qui, si on met ça dans le canon du fusil traditionnel, on tire sur l'animal, il meurt dans tous les cas.
Donc vous voyez à peu près le produit qu'on a mis tout autour de la flèche. Voilà, donc quand ils introduisent ça ici, comme ça, et quand ils tirent, ça part directement sur l'animal, ça le blesse un peu, ils suivent ses traces, ils savent, ils sont sûrs qu'il va tomber. Et c'est des poisons qui sont fabriqués, qu'est-ce qu'il y a dans local, c'est local, on ne peut pas savoir. Par exemple, ce piège-là, ça prend soit le coba, ce qu'on appelle l'hypotrague, ou bien le buffle. Bon, ça. Même le cobre de buffon, et puis le cobre de façade et autres, ça aussi, ça prend ça. Bon. Depuis que le Bénin, le Burkina Faso et le Niger ont décidé en mai 2000 de gérer en commun cet immense espace transfrontalier, les choses ont bien changé. Désormais, c'est la certitude que tout est possible qui prévaut, y compris de voir des effectifs d'animaux en hausse constante, des espaces périphériques aménagés et surtout des populations locales conscientes que leur patrimoine constitue un atout pour les jeunes générations. À l'aube du troisième millénaire, nul doute que le W sera là encore longtemps pour témoigner d'une Afrique toujours sauvage et en harmonie avec ses habitants. On est guéri, car on voit beba noir. On est guéri, beba mini. Avec naïs, c'est un gingé. Avec bérénien. Gingéma. Avec tahou quoi. Ne quoi dia. Avec mansoun tahou quoi. Si on a mangolé. Il dit que c'est vrai. Si on a yanago. Que c'est l'éléphant que lui chasse. Yaga diana bérénien. Il dit que c'est pour ça qu'il connaît la forêt là. Il dit qu'il connaît le parc là comme sa maison. Qu'il le connaît mieux que les forestiers qui tiennent les appareils. À matin, il est déri. Mais qu'aujourd'hui, qu'il a laissé ça. Qu'il a abandonné ça il y a 15 ans. Qu'il ne le fait plus. Il dit qu'il y a des ristournes qui leur sont versées annuellement. Et maintenant, sur la base de ces ristournes, qu'il demande à chaque village membre à Vigref d'exprimer ses besoins. Ils dégagent les priorités et ils font des investissements. Qu'il y a des villages qui demandent des écoles. Qu'il y a des villages qui demandent des ouvrages de franchissement. Qu'il y a des villages qui demandent des unités villageoises de santé. Il dit que lui voudrait que vous compreniez quelque chose. Que la forêt là a changé de visage. Qu'il y a de l'espoir. Il dit qu'avant, vous pouvez faire un kilomètre sans voir les traces même d'un margouya. Il dit aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, que c'est tout le contraire. On peut voir des buffles. On peut voir des éléphants. On peut voir des cobas. Il dit les pintades, on n'en compte pas. Les hippos, il dit dans toutes les mares. Il dit les sinos, que ça c'est les cabris. Il dit qu'il vous remercie beaucoup d'avoir eu cette idée et que ici là, que c'est un investissement de valeur qui a été fait. Il dit qu'il y avait eu trop de saleté. Et qu'avec un tour d'eau, on ne peut pas finir. Si un habit est trop sale, avec un tour d'eau, on ne peut pas finir ça. Donc, il faut que chacun garde le courage et l'espoir.
Le complexe écologique du W, aux confins du Bénin, du Burkina Faso et du Niger, constitue l'une des plus formidables réserves de grande faune sauvage d'Afrique de l'Ouest. Ces savanes sauvages et encore intactes donnent une idée de ce que pouvait être une Afrique dominée par les grands troupeaux d'éléphants, de buffles, de girafes et d'antilopes qui existent encore dans ce dernier bastion. Depuis l'an 2000, les trois États riverains du W, conscients de la richesse que constitue cette faune, ont décidé de gérer en commun l'immense espace du W. L'Union européenne a accompagné cette démarche et c'est ainsi qu'en 2001 a pu démarrer un ambitieux programme de conservation, le programme Parc W Ecopass, dont l'objectif majeur est de conserver le complexe régional transfrontalier au bénéfice des populations locales. Mais si la volonté existe de vouloir conserver et valoriser ce patrimoine unique, il est impératif d'en analyser d'abord les mécanismes. Rien n'est simple dans ces domaines, d'autant que de nombreuses espèces animales ont des rapports étroits avec l'homme et interagissent en permanence avec celui-ci. Ici, on est dans une partie de la zone de transition de la réserve transfrontière du W. Comme vous le constatez, on est dans des champs et il y a une cohabitation tout à fait pacifique entre les populations de cette zone et les girafes. Comme vous constatez, il y a beaucoup d'acacias dans ces champs et donc comme l'essentiel de leur alimentation est composé donc d'acacias, donc ils profitent des périodes où il n'y a pas d'activité agricole pour en tout cas exploiter tous ceux qui ont comme pâturage aérien qui pourrait leur être utile. Et donc la cohabitation, comme je l'ai dit, avec la population se passe très bien, il y a très peu de conflits. C'est seulement pendant les périodes agricoles que de temps en temps on constate quelques conflits avec les populations, mais qui ne sont pas graves, que les populations commencent déjà à accepter. Et nous, de notre côté, dans notre programme, on est en train d'essayer de trouver des formules de compensation pour les cas de délits très graves, où vraiment il y a des pertes importantes pour les populations. Pour une réserve de biosphère, en tout cas c'est un modèle de cohabitation entre les populations, donc le développement et la faune sauvage qui se passe très bien et qui constitue exemple, en tout cas un exemple qu'on est en train de cultiver. Le programme PACE, c'est un projet qui travaille conjointement avec le W et le programme ECOPAS, notamment pour la surveillance sanitaire des aires protégées et des risques de transmission, notamment de la maladie de Carré, qui est une maladie des jeunes chiens qu'on trouve en périphérie et qui peuvent transmettre donc cette maladie à des animaux du parc. Même chose pour la rage, c'est aussi un problème. Et tout ceci donc fait l'objet de collaboration avec le programme PACE. Alors ça, c'est un crocodile, hein, un jeune, qui est un peu plus d'un mètre et qui a été élevé en captivité chez un particulier, ce qui est illégal bien sûr, mais il arrive souvent que des animaux comme ça soient un jour remis à l'administration des eaux et forêts. Dans ce cas-là, donc, se pose le problème de l'endroit où l'animal sera remis en liberté, ce qui n'est pas toujours simple parce qu'un animal étranger qui arrive dans une population déjà en place peut avoir des problèmes avec ses congénères. Ou à l'inverse, s'il est introduit dans un endroit où il n'y avait pas auparavant de crocodile, ça risque de poser des problèmes au niveau des équilibres donc, qui peuvent exister dans le plan d'eau. Donc là, on est en train de réfléchir à l'endroit et à la meilleure stratégie pour remettre l'animal en liberté. Depuis l'avènement du GPS, les choses ont beaucoup évolué dans le domaine des collectes de données. Et désormais, aucun scientifique n'effectuera une observation sur le terrain sans s'être assuré que celle-ci a bien été enregistrée et se trouve localisée précisément à l'aide du satellite. Nous avons collecté des données relatives au porc épic sur le terrain et donc nous allons vider ces données sur l'ordinateur. Ces informations collectées sur le terrain
vont ensuite être intégrés dans notre base de données suivi écologique. Et donc, de ce pas, nous aurons des informations sur le porc-épic, qui est en fait un animal nocturne difficile à observer pendant la journée. Et donc, des informations telles que les crottes que nous venons d'observer au niveau du point triple sont des indicateurs qui permettent de savoir que l'animal est présent dans la zone. Avec l'avènement du programme EcoPass, très vite, les gestionnaires ont choisi ce système comme pour permettre la collecte des données de suivi écologique. Et donc, nous avons ce logiciel qui permet d'avoir rapidement une idée de ce que les équipes de patrouille ont fait sur le terrain. Et ça permet aux conservateurs de décider de vers quelle zone axer la surveillance, vers quelle zone axer, par exemple, les actions de suivi écologique, ainsi de suite. Et donc, nous avons un outil fabuleux pour la gestion de nos aires protégées. Rencontrer un animal est une chose, le suivre à la trace en est une autre, et le suivi par balise d'animaux équipés de colliers émetteurs a permis de faire avancer la connaissance d'espèces parfois banales, mais dont on ne connaissait pas grand-chose. Parmi ceux-ci, certains oiseaux chassés depuis la nuit des temps, comme la pintade sauvage. Les scientifiques Georges Ouéda et Gilles Balança cherchent à connaître la dynamique de cette espèce. Ici, on se trouve dans une zone villageoise de chasse, qui est dans la zone périphérique du parc du W, au Burkina, près de Diapaga, dans l'est du pays. Alors la chasse vise principalement les francolins, les pintades et les colombidés, c'est-à-dire toutes les espèces de tourterelles et deux espèces de pigeons. Alors pour que cette chasse soit durable, on a pensé qu'il était nécessaire de mieux connaître l'écologie, la dynamique des populations de ces oiseaux. Et donc une étude a été engagée. Georges Ouéda fait sa thèse sur ce sujet. Et il s'agit de faire des comptages réguliers dans le parc, dans la zone villageoise de chasse. Donc, ainsi, on aura des données originales sur l'évolution de l'abondance de ces oiseaux. Parallèlement, il y a une étude de la perception de la chasse par les villageois, par les chasseurs eux-mêmes et par les concessionnaires. Et on vient de démarrer une manip qui consiste à capturer des francolins et des pintades et à leur mettre des émetteurs radio pour mieux comprendre quels sont leurs déplacements en zone chassée et dans la zone protégée du parc. Voilà. On est en train de mettre ce qu'on appelle le piège traditionnel pour la capture des pintades et des francolins. C'est un piège qui était traditionnellement utilisé par les gourmarchés. Alors le système est très simple. Vous avez un genre de nœud coulant que vous recourbez en faisant comme ceci. Alors si l'oiseau vient à passer par là, ça lui prend la patte. Donc on a repéré d'abord là où passent les pintades et les francolins. Et on essaie de leur barrer la route. Donc si tout va bien, à partir de 17h, les francolins ils passent par là. Et ils vont peut-être se prendre les pattes dans les poulains. Sinon, le matin de bonne heure, au lever du jour, ils passent aussi. Parce que matin et soir, ils sortent du parc et ils vont se nourrir dans les champs de mil. À l'issue de ce travail de terrain, normalement, on devrait pouvoir formuler des recommandations qui permettront d'améliorer les conditions de la chasse dans la région, et notamment que ce soit une chasse durable, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte des caractéristiques des populations de gibier. Tu as quelque chose à ajouter ? Pas grand-chose, sauf que, ajouter que, bon, étant sur le terrain continuellement, bon, on essaie d'impliquer les populations et dans ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'on essaie de les impliquer en les formant au fur et à mesure à reconnaître certains gibiers, ce qui va nous permettre à la fin, pour revenir sur le problème de quota, de savoir qu'est-ce qu'on peut continuer à prélever ou qu'est-ce qu'il faut arrêter. Bon, ce serait des propositions et on est en train de réfléchir là-dessus. Beaucoup plus visibles dans la brousse, mais pas forcément mieux connus, les éléphants du W constituent ici un sujet d'étude pour la scientifique Audrey Pavec, qui cherche à comprendre les ressorts qui régissent les déplacements de ces animaux. Les femelles chargent en permanence au bruit, à l'odeur.
Donc ma thèse s'intitule la distribution spatio-temporelle de la population d'éléphants du parc régional du Doubs. Donc j'essaye de savoir où se situent les éléphants dans le parc, comment ils se déplacent et pourquoi ils se déplacent. Donc les objectifs de mon travail, c'était de comprendre les schémas d'utilisation de l'espace et des ressources par les éléphants. Et ensuite de définir et de déterminer les facteurs écologiques, donc ce sont les ressources végétales pour l'alimentation, l'eau et les facteurs anthropiques, donc ceux qui sont liés à l'homme, comme le braconnage ou la transhumance dans le parc, qui influencent leur distribution dans le temps et dans l'espace. Donc pour ça, j'avais besoin de données. Et notamment les données, c'était de savoir où étaient les éléphants, donc d'avoir leur localisation, et où étaient les variables. Les variables, c'est-à-dire les facteurs qui influencent leur distribution. Donc où se situe l'eau, les activités de transhumance, les activités de braconnage, les ressources végétales, tout ça, j'avais besoin de savoir où c'était, dans quelle zone. Donc les éléphants sont organisés en société matriarcale, donc des unités familiales qui sont menées par la femelle la plus âgée en général. Et à part, nous avons les mâles, donc qui rejoignent bien sûr les femelles temporairement, mais qui ont des activités et une distribution dans l'espace qui diffère un peu de celle des femelles. Donc la question est-ce que les mâles et est-ce que les familles se regroupent dans les mêmes zones ou est-ce qu'ils ont des zones qu'ils utilisent différentiellement? Donc je vais vous expliquer un peu comment marchent les colliers. Donc on appelle ça des balises Argos. Donc en fait, ces colliers émettent des messages en continu. Ces messages sont reçus par les satellites qui sont dans le ciel en orbite. Les satellites, ils envoient ces messages vers des stations à terre, donc des centres de traitement. Ces centres de traitement envoient les messages à d'autres centres Argos qui, eux, déterminent les positions liées à ces messages. Et enfin, ce centre de traitement m'envoie les résultats. Donc je n'ai qu'à me connecter sur Internet et je peux interroger à tout moment, savoir où sont les éléphants. Donc voilà comment se présente le collier. Ici, nous avons l'émetteur Argos avec l'antenne. Et une autre partie, c'est un émetteur VHF qui lui également envoie des signaux en continu que je peux capter à tout moment avec une antenne. Et voilà comment se pose le collier. Donc on a la partie ici, la partie VHF, et un contrepoids que l'on met sous l'animal, et la partie Argos avec l'antenne que l'on met au-dessus du cou. Voilà. Merci beaucoup. Le programme EcoPass a permis à de nombreux étudiants africains et européens, intervenant dans le cadre de Tandem Nord-Sud, de mener des études sur le parc et ses habitants. Pour approfondir leurs recherches sur les éléphants, Audrey Ipavec et Safouratou Alpha Gambari organisent la pose d'une balise sur une femelle. Tu verras de toute façon les bombes parce que elles sont le dessus est peint en vert ou en blanc, j'ai oublié, mais je crois que c'est vert, donc un vert qui flash en plus. Okay. Mais pas s'éloigner de plus de 400 km par rapport à ce point-ci. Philippe Chardonnet prépare la fléchette anesthésiante contenant de l'étorphine. Ce produit, mille fois plus puissant que la morphine, peut par simple inhalation provoquer une syncope immédiate. Tout à l'homme.
quand même mal. Ça a mal, oui, parce que c'est là. Ok, Carlo, stand-by 3-4 minutes, on positionne le point sur la carte pour se faire une idée et on te contacte à toi. Ok, bien reçu, bien reçu. Je te reçois 5 sur 5. La première équipe chargée du fléchage se met en route. La deuxième équipe, chargée de la balise, reste en retrait le temps que l'éléphant soit anesthésié. Le drap blanc permet à l'ULM de repérer la position des équipes au sol. Mets-lui au garrot, pile, à la planche. À la planche. Tu es comment là, Hubert? Là, je suis bon, je suis à la planche du garrot. C'est bon pour nous.
tout le monde récupère tout, sauf Audrey qui reste, sauf Safou qui reste à la radio dans le sac. Et tu me prends le sac. Allez. Merci. Tu y vas? Hein? Moi je reste. Non, non, tu t'en vas, tu t'en vas. Hein? Oui, tu peux te lever. Bon, Carlo, Carlo, on réveille. Il faut plus me parler, hein, parce que je laisse la lumière, la truc allumée. Je vous appellerai tout à l'heure. C'est bon? Allez, on y va. On va se mettre à l'arbre. On a injecté, elle bouche les oreilles. Ils sont obligés, ils n'ont plus de carburant. Philippe Chardonnet utilise des pétards pour stimuler l'animal. La femelle réagit normalement. L'opération s'est bien passée. Elle va pouvoir rejoindre son groupe. Mieux connaître pour mieux gérer, c'est la tâche qui a été fixée à ces scientifiques de tous horizons qui contribuent à faire du W un espace sécurisé et durable pour tous ces animaux sans équivalent sur la planète. C'est à ce prix que les générations futures pourront elles aussi connaître le sentiment intense que suscite la rencontre avec un animal sauvage dans son milieu naturel, sans barrière ni fil de fer barbelé.
Parcourant l'Afrique de l'Ouest de part en part et s'allongeant sur plus de 4000 km, le fleuve Niger et sa vallée constituent un lieu de convergence de populations humaines qui, depuis la nuit des temps, bénéficiaient de ses eaux généreuses. Aux confins du Niger, du Bénin et du Burkina Faso, à proximité de la fracture de l'écorce terrestre qui a donné son nom au parc W, les témoignages de cette présence antique sont particulièrement nombreux et parfois spectaculaires. De Boura à Karekopto, le long de la rivière Mekrou, et jusqu'aux falaises du Gobnangou, la région regorge de sites archéologiques dont les plus anciens datent de moins de 100 000 ans. Les plus récents trouvent encore leur prolongement dans les riches cultures qui sont la marque du W. L'exceptionnelle richesse patrimoniale et culturelle de la moyenne vallée du fleuve Niger, et en particulier de la zone du W, n'avait pas échappé aux premiers scientifiques qui ont contribué à la faire connaître. Parmi ceux-ci, Jean Rouche et ses collaborateurs de l'IRCH de Niamey. Jean Rouche avait déjà descendu ce fleuve avec ses camarades Sauvy et Ponty. C'était en 1946-47 et il avait été très impressionné par le cours du fleuve. J'ai été très frappé il y a 3 ans seulement quand j'ai vu le lieu appelé Gambou, qui est la résidence de Harakoy, la déesse de l'eau. J'ai eu très peur et vraiment nous nous étions tous tapis au fond de la pirogue, bien que nous ayons 2 sorcos avec nous. Et je sais que l'un des sorcos récitait les devises. C'est un endroit vraiment terrible. Non loin de Niamey, sur la rive droite du fleuve, les vestiges d'activités humaines sont innombrables. Parmi eux, le site de Boura. C'est ici qu'une nécropole, étudiée par l'équipe du professeur Boubegado, a livré quelques-unes des plus remarquables créations artistiques funéraires d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes ici sur le site, le fameux site de Boura. Quand on dit site de Boura, il y a le site éponyme, celui qui a été fouillé, et puis tous les autres sites qu'on retrouve dans la région qui sont du même type. Au fait, qui sont des sites funéraires, des sites de nécropole. J'appelle ça, du point de vue archéologique, le système de Boura. Dès que vous faites 3 ou 4 km, vous avez un cimetière de ce genre. La seule particularité d'ici, c'est qu'il se trouve, ça doit être un quand des principaux cimetières. Donc, en 83, on a fouillé 625 mètres carrés. On a ramassé donc tout ce qui était, toute la céramique qui était en surface. À partir de ce moment, on savait que les têtes de statuettes étaient intégrées à des pots. C'est des sortes donc, de vases surmontés de statuettes qui font entre 1 mètre et 1 mètre 50 de hauteur. Dès 1985, on a eu la chance de tomber sur un squelette qui portait ses bijoux en bronze, justement, que j'ai fait analyser au laboratoire de métallographie. Parce qu'en général, en Afrique occidentale, la plupart des objets anciens qui ressemblent à du bronze, en grande partie, c'est du laiton. C'est ainsi qu'on sait, donc, on avait un grand site particulier qui révélait un art ancien qui était inconnu dans la vallée du Niger. Le site donc a été recouvert ou a commencé à être recouvert depuis le 3e siècle jusqu'au 13e. Et à partir du 13e, les dunes se sont stabilisées. Donc on avait déjà une fourchette, sans avoir les datations au carbone 14, on avait déjà une fourchette, en tout cas, en ce qui concerne le sol. On a eu une telle pression ici. Et on a passé sur le champ où le paysan a arraché ses pieds de mil pour chercher les statuettes.
Et c'était le premier grand site qui a été pillé totalement. Et le propriétaire du champ le reconnaît lui-même. Il nous a dit qu'il a là récolté près de 300 têtes de statuettes qui lui ont rapporté autour de 1 million ou 2 millions de francs CFA. Bon, c'est pas beaucoup, mais au niveau de la paysannerie, c'est quelque chose de... Parce que sa récolte ne fera pas la moitié, ni même le quart de ceci. Et il s'est converti en petit commerçant dans le petit village où je vous ai dit que c'était le premier marché, en tout cas, du pillage. On s'est dit, bon, peut-être que si on faisait une grande exposition internationale sur tout l'art, toutes les grandes découvertes archéologiques qui sont faites dans la vallée du Niger, qui est une voie de communication, une voie de civilisation, et ainsi de suite. Donc, peut-être on allait sensibiliser d'abord les acheteurs des objets d'art qui aident les pilleurs à prendre conscience que c'est une civilisation donc, ancienne qui sont en train de briser. Et ensuite, les Africains eux-mêmes, ça leur ferait prendre conscience de la richesse de leur patrimoine. C'est finalement à partir de cette petite nécropole, ouais, près du village de Boura, qu'en l'espace d'une dizaine d'années, s'est constitué un attrait pour toute cette culture qui en fait est présente dans la vallée du Niger, ouais, sur une centaine de kilomètres, et qui fait actuellement l'objet d'une convoitise et je dirais d'une activité de pillage sans équivalent, qui pose pas mal de problèmes si on veut envisager sereinement l'avenir du parc W. Effectivement, il faut avoir de grandes craintes. Parce que, malheureusement, le pillage a pris une telle dimension systématique, au point que nous, on a fait avec l'UNESCO ici une réunion sur le pillage des sites archéologiques du Niger, parce que jusqu'à présent, ce qui se passe dans notre pays, au fait, aucune voix autorisée, en tout cas politique, ne s'est élevée pour dire le patrimoine c'est important, il ne faut pas toucher. On croit que quand on parle du patrimoine, là, il s'agit seulement du folklore. C'est ça le drame. Peut-être ça va faire prendre conscience. Et comme ça, ça peut aider à sauver le double. Nous n'avions pas eu besoin effectivement de faire des fouilles quand finalement nous avons pu mettre au jour cette statuette qui a été dénommée Vénus. Peut-être parce que simplement c'est une statuette féminine. Et je pense que ceci nous rappelle un tout petit peu ce qui a été aussi trouvé dans la vallée du fleuve, notamment dans la zone de Karigourou. C'est une statuaire qui est relativement différente de celle que nous connaissons dans la zone de Boura. Mais je pense que les prochaines investigations nous permettront de tirer de bien meilleures conclusions. Vous savez que le parc est extrêmement riche en sites archéologiques parce que c'est quand même une zone qui a montré à quel point on pouvait avoir un continuum qui pourrait partir du paléolithique jusqu'au subactuel. Et c'est à cause justement de la richesse de ce site, enfin de cette zone, que nous envisageons, en tout cas, je crois que le programme ECOPASS et nous-mêmes d'ailleurs, envisageons de voir dans quelle mesure le classer comme un site mixte au patrimoine mondial. Au sud-ouest du parc W, au Burkina Faso, s'étend la longue falaise du Gobnangou. Un tel accident dans le paysage et l'intérêt de positions hautes permettant de surveiller les alentours ne pouvaient manquer d'attirer l'attention des populations préhistoriques qui s'y sont installées très tôt. Les vestiges d'occupation humaine y sont donc nombreux. Nous sommes à l'entrée d'un abri aménagé sous roche. Ces grottes-là sont nombreuses au village de Yobili. On les appelle Tankandiena, c'est-à-dire les habitants de Tankamba.
ce site, son intérêt, qu'on a un habitat assez bien conservé, avec des murs de dimensions respectables, en colombin d'argile. L'argile, au cours de mes enquêtes, m'a révélé que l'argile était prélevée sur des termitières du sommet de la falaise et ramenée là pour édifier ces constructions qui permettaient non seulement de se protéger, mais de surveiller la vallée. Comme vous l'observez, il y a des ouvertures qui permettent de voir qui arrive de loin. On peut même, à partir de ces meurtrières, tirer sur l'ennemi. Car vous voyez l'accès, et il n'y a que cet accès provenant de la vallée. Tout autour, c'est la chaîne. La population locale attribue ces aménagements à une population qui a quitté cette zone-là pour s'établir au Bénin. Car en fait, sur le plan de la chronologie, nous pouvons situer ça grosso modo entre le 10e et le 15e siècle. Parce que les Gourmandchés sont venus par là, à peu près vers le 14e, 15e. Et c'est à ce moment-là que les anciens habitants des collines ont migré vers la Takoura au Bénin. Cette maisonnette, dont le mur haut d'environ 3 mètres repose sur une dalle de grès, mais le toit est également de grès. Il s'agit de la corniche que vous voyez tout en haut. Nous allons entreprendre l'étude architecturale d'abord pour savoir combien de temps cet abri a été occupé. Ce qui est sûr, il y a eu des aménagements, des réaménagements, et c'est l'étude architecturale qui nous permettra de donner les différents niveaux, les différents âges de cette construction-là. Nous allons essayer de savoir à quelle structure appartiennent les différents éléments. Et ensuite, creuser, fouiller le sol. Si des gens ont vécu là, ils ont probablement laissé du mobilier qu'on n'aperçoit pas en surface. Mais nous allons probablement, en faisant des fouilles, trouver quelque chose sous les dalles de pierre. On retrouve également plusieurs sites archéologiques à l'intérieur même du parc W, notamment près de la rivière Mécrou. Cette rivière est bordée essentiellement de cuvettes. Donc ici, à l'intérieur de ces cuvettes-là, que l'on retrouve très fréquemment les installations humaines. Dans le lit actuel de la Mécrou repose une industrie essentiellement caractérisée par des bifaces, des hachereaux et des bolas, donc appartenant au paléolithique inférieur. Cette industrie est véritablement en place. C'est une zone extrêmement riche en matière de vestiges archéologiques, étant entendu qu'on a au moins une lecture très claire d'une séquence archéologique qui est là, en place, stable. Eh bien, donc ici, on se trouve dans la vallée de la Mécrou. On se trouve juste en contrebas des premières manifestations d'érosion qui marque les premiers mètres en fait, de profondeur du remblai. Et ce remblai, à ce niveau-là, tel que vous le voyez à ras du sol, il est actuel, subactuel. Et rapidement, on trouve des horizons néolithiques. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'érosion a nettoyé et en fait, fait tomber un certain nombre d'objets, notamment de céramique, des objets aussi en métal, qui sont typiquement des objets proto-historiques, disons, ou néolithiques, des premiers mètres de profondeur vers le bas. Ce qui explique que plus bas, on trouve finalement des objets qui ne sont pas en place, mais qui étaient jadis placés beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, on aperçoit en haut de la butte, en haut du talus, un baobab qui témoigne, lui, d'une occupation humaine qui peut se situer aux alentours de 300, 400, 500 ans, par exemple. Donc voilà un exemple superbe de l'outillage paléolithique qu'on peut trouver dans le lit mineur de la Mécrou, juste posé sur le socle. Un superbe biface, donc du paléolithique inférieur, extrêmement grossier,
mais qui a vraiment, je dirais, des qualités à la fois esthétiques et aussi une efficacité certaine. On peut imaginer que c'est un outil qui servait notamment à détacher la peau des animaux abattus. Donc en somme, cette vallée de la Mécrou, qui est en quelque sorte l'épine dorsale du W, puisqu'elle sert de frontière en fait aux trois pays, est une sorte d'opportunité pour le parc, puisque depuis les travaux de Robert Vernet, on sait en fait que dans ce lit de la Mécrou se trouvent des vestiges tout à fait remarquables, très anciens, 200 000 ans, moins de 200 000 ans donc du paléolithique inférieur, avec toute la stratification qui conduit à la période actuelle. Et avec surtout une continuité d'occupation, oui, quasiment sans équivalent en Afrique de l'Ouest. Enfin, disons que ce sont des situations relativement rares. Oui, et bien d'autres choses d'ailleurs dont je voudrais bien parler. En ce qui concerne les peuplements préhistoriques, l'année dernière nous avons ramassé beaucoup d'objets dans la vallée, n'est-ce pas, de la Mécrou, côté Niger. La prospection n'est pas achevée en remontant, n'est-ce pas, le cours d'eau, nous allons l'achever. Mais toutes les preuves sont là pour montrer que depuis le paléolithique, eh bien, la zone a été occupée. Il y a pas mal d'habitants également qu'il faut étudier en relation avec le parc, parce que beaucoup de gens ont habité le parc et ensuite sont descendus beaucoup plus haut, au sud. Et de là d'ailleurs, des populations qui ont vécu dans le parc, qui ont été plus au sud, se retrouvent maintenant même au Bénin. Donc il y a encore un autre facteur d'unité. Et je pense d'ailleurs que c'est surtout la culture, ce passé-là, qui va permettre aux populations de comprendre leur unité, de comprendre la nécessité, n'est-ce pas, de mieux gérer ce parc. Ouais, alors c'est la paillote. Ouais. Allons à la paillote. Oui, on va. Et là, on dit, ici c'est le Burkina, ici c'est le Bénin, ici c'est le Niger. Voilà. Nous sommes au niveau du point le plus emblématique du W, parce que c'est le point où se rencontrent les trois frontières. Bon, donc à ce niveau-là, on considère que dans le W, il n'y a plus de frontières. Donc que vous soyez au Niger, au Burkina Faso ou au Bénin, vous êtes dans le W avant tout. Et sur ce point régional, on va construire un petit monument qui marquera donc cette régionalité. Et puis surtout, un petit peu derrière, à la faveur des sites de métallurgie antique que le professeur Ketiega a identifié avec nous, eh bien on va édifier un musée essentiellement dédié à la préhistoire, à l'archéologie, mais surtout à l'archéologie du fer, qui est vraiment la marque de la régionalité dans la zone du point triple. Ce que nous avons vu tout de suite au bord de la route, les amoncellements correspondent à des tas de scories. C'est la marque qu'ici on extrayait du minerai, qu'on transformait ensuite, voilà, pour fabriquer du fer. Oui. Et plus tard, ce métal, le fer, est transformé en objet. Ça donne aussi parfois des tas de scories, des tas vraiment impressionnants. Et d'ailleurs, ce que nous voyons, dès le premier regard, c'est bon, on le sait qu'il s'agit de scories de réduction, parce qu'on trouve les fragments des fourneaux, surtout les tuyères qui sont très reconnaissables. Elles peuvent être bouchées, hein, par des coulées. Mais oui, voilà, comme, la comme coulée ici, a bouché. Oui. Voilà, comme ici. Eh bien, on est certain qu'on a affaire à un fourneau à induction. Ici, on dira, n'est-ce pas, c'est les génies qui font fonctionner le fourneau. Mais ça dira naturel d'elle. Vous voyez cet arbre, l'Anogensis leucarpus. C'est un bois très dur, dont le charbon est très, très prisé. Donc, ce n'est pas par hasard que les gens ont mis le fourneau ici. Donc, ils s'approvisionnent également à partir de ces anogensus en éléments d'énergie. Donc, l'élément énergétique pour faire la réduction, c'est à partir du bois, oui, d'anogensus. Monsieur le directeur, coordonnateur régional a parfaitement raison. Nous appelons ces arbres-là
les arbres du forgeron. Qui ont occupé le parc W, en réalité devaient avoir les mêmes origines. Car l'histoire du peuplement montre que le parc W a reçu des gens venant du Bénin. Il y en a qui sont venus du Niger, d'autres sont venus de contrées plus lointaines, mais en passant soit par le Bénin, soit par le Niger, et se sont retrouvés au Burkina Faso. Et d'ailleurs, au niveau de la métallurgie du fer, les techniques employées, elles sont semblables. Nous avons des descriptions de fourneaux de réduction d'à peu près les mêmes types, à soufflet ou à induction directe. Les études que nous allons maintenant démarrer concernant l'ensemble, n'est-ce pas, du parc, confirmeront très certainement ce que je suis en train de vous dire et qui tire sa racine de la tradition orale. À l'intérieur du parc W, aussi bien côté nigérien, béninois que burkinabé, beaucoup de sites sont déjà localisés, mais pas tous. Chaque pays va désigner un étudiant, donc ils seront trois à travailler ici pendant un mois. Celui qui est à côté de moi, Nwaga Birba, est spécialiste puisqu'il a déjà soutenu un mémoire de maîtrise sur la paléométallurgie. Nous allons demander aux trois étudiants d'abord de parfaire la prospection autour du point triple pour rendre compte de la manière dont les anciennes populations qui ont occupé ce parc et qu'on a déguerpi, eh bien, la façon dont ils vivaient, en remontant le plus loin possible dans le temps. Enfin, ce qu'on peut retenir, oui, en tout cas, c'est que, bien, on l'a vu, on l'a compris, c'est, oui, le domaine des éléphants, des buffles, de la grande faune, oui, et des, oui, toutes ces antilopes, mais, oui, c'est aussi... un endroit où l'homme a toujours... Oui, de toute façon, aujourd'hui, les animaux n'ont pas de frontières. Tous les troupeaux de buffles traversent les frontières de part et d'autre. Les végétaux n'ont pas de frontières. Je pense qu'il y a des plantes d'ici, ou d'ailleurs, qui s'essaient mutuellement. Les hommes, ça a été pareil. Et nous allons suivre leurs traces. Et dans le projet de musée que nous voulons, n'est-ce pas, réaliser au point triple, eh bien, un des marqueur, n'est-ce pas, d'unité, c'est la métallurgie. Il faut absolument que cette métallurgie soit présente. Tout ce qui est préhistorique, c'est notre passé commun. Personne ne peut, n'est-ce pas, nier ce passé commun. Il faut que cela soit présent. Mais maintenant, au niveau du mode de vie, la vie quotidienne, j'allais dire, effectivement, à partir du moment où les peuples se sont diversifiés, il y a des genres de vie parfois différents. Eh bien, nous allons essayer de représenter ces genres de vie également pour rendre compte véritablement des peuples qui ont jadis vécu dans cet espace que nous appelons aujourd'hui Parc W.